24. Africa Sport 24. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. Ni ko Africa Sport 24, a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24. Ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan. Min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tungara fɛ. Africa Sport 24. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les spectateurs d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grand Grain. C'est Ibrahim Tunkara avec aujourd'hui notre invité, Ibrahima Cissé, joueur malien en Belgique en partance pour Schalke 04 en Allemagne. Ibrahima Cissé, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir à tous. Très bien. Et vous, ça va? On va très bien. Hein. On en a vu il y a une dizaine de jours ta signature à Schalke. Hein. C'était une bonne nouvelle pour la plupart des amateurs de football malien hein, qui suivent de près les performances de tous nos joueurs maliens qu'on a à travers le monde. Donc, on est heureux pour toi. Hein. Félicitations pour ton transfert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Soulé, c'est un autre... Comment on les appelle même les comment quel nom même on leur avait donné en... Dès que quoi, tu les... as commencé c'est un autre là il a commencé déjà à rire donc lui-même il fait des parce que on a reçu Gaucher la semaine dernière là il sait tout le monde de Dakar c'est ça non voilà l'un des victimes de Dakar mais pour lui encore c'était encore plus pire. Mais lui, peut-être que lui-même, il va rentrer dans les détails. Parce que moi, la dernière préparation au stade Modibo Keita, quand il est descendu du bus, on est allé sur le gazon. J'ai dit, mais Ibrahim, c'est comment ça va? Il me dit, mais attends, je ne comprends rien, mais il fait très chaud ici. J'ai dit, ah, non, tu n'as rien vu d'abord. Hein? Mais tu n'as rien vu d'abord. Ça, ce n'est que le début du commencement. Le maillot même qu'il avait, il avait commencé déjà à enlever son maillot. Il est là. Ça devient compliqué maintenant. C'est vrai qu'on se souvient que Soulet a été le premier à t'interviewer même sur Africa Sport 24. Hein. Africa Sport 24, hein, c'était les premières images que les Maliens ont eues de toi, hein, en fait, à ta sélection en U20, où tu étais venu à l'époque, tu étais à Gent, en Belgique, mais je pense initialement tu as été formé à Châteauroux, non, c'est ça, en France? C'est ça, j'ai fait 2 ans de ma formation avant de signer mon premier contrat professionnel à Châteauroux, j'ai fait 2 ans de ma formation là-bas, et ensuite, de ces 2 ans, j'ai signé mon premier contrat pour 3 ans, hein, ici à Gand, en Belgique. Mais c'est Gand ou Gent qu'on dit? Parce que j'entends les deux. Oh, en fait, ça dépend, parce que ici en Belgique, on parle plusieurs langues, donc tu peux le dire Gent, voilà. Pour côté néerlandais, Gand en français, tu peux le dire de plusieurs manières, quoi. Gant, mais c'est un côté néerlandais, non? Gent, c'est un côté néerlandais, non? Là-bas. Ouais, c'est ça, hollandais. Ouais, néerlandais, c'est ça, effectivement. Mais tu as appris un peu à parler néerlandais là-bas pendant ton... Bon, j'ai pas appris, mais bon, avec le temps, on assimile le langage, quoi. On assimile. C'est ça. Soulé, c'est un de tes protégés, hein. Tu es content de le revoir, de voir ce qu'il a fait. Ça fait plaisir. Ouais, ça va quand même. J'étais parti à 7h du matin. Ça fait très plaisir de le revoir quoi, sur ce plateau. Je me rappelle bien, je disais la semaine passée quand on avait Gaucher, j'ai dit voilà, on était avec eux, on a fait une préparation ici, voilà. Même Ibrahim qui est venu un peu, je pense que c'était moins 10 jours avant le départ du tournoi vers le Sénégal, voilà. Donc on a beaucoup échangé ici, mais vraiment j'ai vu comment il a souffert, comment il s'est donné aussi physiquement pour tenir et moralement aussi. C'était très important parce que c'était sa première d'être en sélection avec les U20, avec la chaleur qui était là. Même si à l'époque, il ne faisait pas très chaud ici. Hein. Voilà, nous, on était dans le,
25, 30 degrés. Donc, chez nous, il ne fait pas chaud à l'époque. Hein, voilà. Parce que nous, on est habitué aux 35, 36, 40, 40 degrés. On a besoin à 40 et quelques. Ah, si ça dépasse pas 45, là, au Mali, il ne fait pas chaud. Hein. Il ne fait pas chaud. Voilà. Donc, il s'est habitué petit à petit. Voilà. Il a pu s'imposer, rentrer dans les groupes. C'est quelqu'un aussi qui s'adapte très vite avec le groupe. Voilà. Ils l'ont fait chambouler un peu. Il parlait. Au moment quand même, il quittait, il parlait un peu Bambara. Je ne sais pas s'il a laissé ça de côté. Voilà. Il parlait un peu. Je savais que tu allais parler de ça. C'était sûr que tu allais dire ça. Voilà. Je savais que tu allais dire ça. Je dis, Ibrahim, cocaïne. Il dit, mais sous les cocaïne, ça veut dire quoi? Je dis, hey, Ahmed Oudalaya. Voilà, c'était un peu ça, ouais, il y avait l'ambiance, il y avait la cohésion, voilà, c'était entre frères, voilà, il y avait cette entente, vraiment, on était très contents de l'avoir avec nous. Hein. Ibrahim, comment tu t'es retrouvé donc avec les U20 maliens? Parce que en général, la majorité des binationaux rejoignent le Mali en sélection. Ah, il n'y en a pas eu énormément qui ont joué avec les équipes de jeunes. Au Mali, comment ça s'est fait pour toi? Quel a été ton point de contact, en fait, pour rejoindre le Mali? Mon point de contact, c'était parti de Sadio Baba, qui est mon oncle. Que le Mali, il savait que bah, moi, je pouvais jouer pour le Mali et la France. À ce moment-là, il y avait un grand manquement défensif chez les 20 pour... la future potentielle CAN et les qualifications qu'on allait jouer. Donc, du coup, il m'a appelé. J'avais parlé avec coach Konaté aussi. Coach Konaté, oui. Oui, c'est oui. Ça, avec qui j'étais en contact permanent. Et puis, il m'a proposé. Il m'a dit que voilà, si tu es intéressé de venir pour faire les qualifs, la CAN, etc. J'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, quoi. Et puis ça s'est fait comme ça, naturellement. Après, j'ai créé des liens avec le coach Konaté. Et puis, ça s'est fait naturellement, quoi. Mais ta famille, quand ils ont appris que tu allais jouer avec le Mali, c'était heureux pour toi? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ma mère était très, 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 très heureuse pour moi. Mes frères aussi. C'est une chose importante, hein, quoi, de représenter le pays de ses parents. C'est une chose très bien pour sa famille et ses parents aussi, ça les rend fiers. Donc, c'était la fête, quoi, ce jour-là. Mais avant ça, est-ce que tu suivais le football malien, toi? Oui, parce que j'ai mon grand frère qui jouait en sélection avant Khalifa Cissé, qui était en sélection aussi bon, ça remonte à peut-être 10, 11 ans en arrière, qui joue aussi en sélection du Mali, quoi. Ah, c'est ton frère, Khalifa Cissé? C'est mon grand frère. C'était un milieu de terrain, non? C'était un milieu de terrain. Mais c'était un milieu de terrain, défenseur central. Voilà, je me souviens de lui. Oui, il a eu quelques sélections avec l'équipe nationale A. C'est ça. Ça, c'est bien, là. C'est bien. Alors, on voit qu'en fait... c'est tous les joueurs qui passent par la sélection, c'est quelque part des ambassadeurs du Mali, hein, parce ouais, que c'est ça. Lui, il a eu l'expérience avec la sélection A et finalement son petit frère aussi a fait le choix de jouer avec les Aigles du Mali. Effectivement. Donc ouais. C'est à... oui, Soulé, tu as quelque chose que tu voulais dire, Soulé? Ouais, non, je voulais qu'on ouais, non, on avance. Oui, donc je disais donc arrivé à Bamako. C'est Soulé qui t'a accueilli là-bas, quoi, avec ses interviews. Comment ça a été, en fait? C'est la première fois qu'il débarquait au Mali. Il voulait pas me lâcher, hein, dès le début. Je suis descendu du bus, il m'a dit, viens, on fait une interview directement, tu dois parler maman. On va calmer. Je viens d'arriver, interview, déjà, j'arrive pas à prendre mon souffle à l'entraînement et tout, directement, interview. Non, mais franchement, il y a eu bon feeling directement avec Soulé, on s'entendait très bien. C'est une très très belle rencontre que j'ai pu faire au Mali. Il m'a beaucoup aidé aussi sur les débuts. Il m'a expliqué comment il faut faire sur l'intégration.
Franchement, non, ça s'est fait naturellement. On a créé des bons liens directement quand on s'est vu. Voilà, ça s'est fait naturellement. C'était franchement une très belle rencontre, quoi. Ça. Mais, Mais c'était ton premier séjour au Mali? Quand tu es allé à la CAN, là, c'était ton premier séjour ou tu étais venu avant? effectivement, c'était mon premier séjour au Mali. Voilà, il fallait quoi? Il fallait trouver quelqu'un pour bien l'accompagner. Voilà. Non, c'est sûr, on On remercie. a assuré, on a assuré cela. Voilà, c'était ça. Mais Ibrahim, raconte un peu. Tu n'es pas rentré dans le fond et ton séjour. Voilà. Comment ça se passait, l'entraînement, tes nuits, comment ça se passait? Aïe, 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 les premiers jours, c'était waouh. Non, franchement, non. Ma première nuit, mes premières journées, ça, franchement, ça allait. Ça allait, à part les piqûres de moustiques, quoi. Après, c'est sûr que les entraînements au Mali, c'est vraiment, vraiment très, très, très différent de l'Europe. Franchement, c'est basé que sur le jeu, déjà. Il n'y a pas beaucoup de tactique. C'est vraiment basé sur le jeu spécialement. Après, on était un groupe de combien? On était beaucoup, hein. Il y en avait qui devaient partir aussi, c'est ça? Oui. Donc, on a fait peut-être 3, 4 jours. Après, il y avait d'autres joueurs, en fait, qui devaient partir pour créer la sélection finale. Donc, on s'est entraîné ensemble encore 2 jours. 2 jours, aussi, on avait fait des matchs contre l'équipe de la CHAN. Un match au stade du 26 mars et l'autre, je ne sais plus c'était quoi le stade. Omnisport, oui, c'est Oui. ça. Donc, oui, on a fait 2 matchs de préparation. Donc, ouais, ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Bon, c'était dur aussi le rythme parce que c'est pas la même intensité ici dans les matchs que dans les matchs d'Europe. C'est pas du tout le même style de jeu. C'était compliqué au début dans l'adaptation du jeu parce que j'avais pas l'habitude de jouer comme ça, quoi. Nous, en Europe, c'est vraiment basé sur la technique. Vraiment technique, technique, technique. Tandis qu'en Afrique, c'est beaucoup basé sur le physique. C'est beaucoup basé sur le physique. Après, nous, on a de la chance d'avoir une équipe comme le Mali qui a beaucoup de joueurs de ballon. C'est pas dans les autres sélections, ils n'ont pas la chance d'avoir des joueurs de qualité comme chez nous qui savent relancer, C'est vrai. jouer au ballon. C'est ce qu'il y a de bien au Mali, c'est qu'on a vraiment des joueurs de ballon, comme on regardait par exemple avec Mohamed Gaucher. Il y avait Boubou. Vous vous comptez. Boubou, c'est ça. Boubou aussi, franchement, il y avait de très, très bons joueurs. Donc voilà, après, il y a eu les péripéties qui se sont passées, Oui, au Sénégal, là hein. où Ouais, franchement, on a c'était eu l'infection Covid ou je ne sais quoi là. un épisode très traumatisant parce qu'on part du Mali le mardi, il n'y a personne de positif. On arrive le mercredi parce qu'on devait jouer le jeudi. Le jeudi, c'était ça. Ils disent qu'on doit refaire des tests le mercredi, alors que le Sierra Leone était arrivé le mercredi et avait joué le mercredi avec leur test Covid du Sierra Leone et il n'y a pas eu de problème. Et nous, comme par hasard, on doit faire les tests Covid Le le mercredi. mercredi, c'est ça. Et comme par Bon. hasard, le lendemain matin, le jour du match, on a 15 cas positifs. Et pour jouer le match, il fallait 14 cas positifs maximum. Puis, ils devaient refaire des tests pour qu'on joue le match. C'était contre la Guinée-Bissau ou quelque chose comme ça. Ils ont laissé traîner, traîner, traîner. Il nous manquait 3 joueurs pour pouvoir faire une fiche de match. Ils ont dit, ah oui, ils ont refait les tests sur ces joueurs-là. Ils ont dit, ah oui, en fait, eux, ils ont été testés faux positifs. Donc, ils pouvaient venir. Non, c'était contre la Guinée, pardon. C'est Donc, contre la Guinée. on avait pu jouer le match contre la Guinée, mais il n'y avait pas le coach. Même Souley, il était sur le banc, c'était même l'adjoint avec coach Konaté. C'était Devenu l'adjoint avec coach entraîneur, mais il est Konaté. devenu entraîneur.
C'était ça, t'es devenu entraîneur. Parce qu'il n'y avait vraiment personne. Il n'y avait personne. Oh là là, il n'y avait que deux, hein, le coach ouais, adjoint. C'était ça, il n'y avait que deux. Il y avait que deux. Donc, ça, tu donnais les consignes de jeu. C'est ça, ouais, effectivement. Il se levait, il criait. Il se levait, il criait avec le coach Konaté et tout. Donc, ouais, non, franchement, il n'y avait pas. Et puis. Pour le match contre le dernier match contre la Mauritanie, on avait récupéré aussi quelques autres joueurs, mais vu qu'on avait perdu contre la Guinée, on n'avait pas joué le premier match et on avait perdu sur tapis vert, qu'on ne devait jamais perdre. Et bah, voilà, c'était comme ça, quoi. Malheureusement. C'était ce lieu-là où tu faisais des cauchemars, où tu voyais des chiens noirs et des chats noirs. Même s'il veut passer à côté, je disais. Il ne veut pas en parler, mais je sais que c'est ça, c'était ça. Oh. Il dit, mais Soulé, je ne comprends pas, mais hier soir, j'ai fait des cauchemars, je voyais des chats noirs. Il dit, eh, là, moi, c'est Ranga Tema. Il dit, aujourd'hui, quand même, ça. On est foutu, quand même, maintenant, voilà. C'était ça, hein. C'est une expérience africaine riche, alors. Ouais, c'était une très belle expérience, une très belle expérience ouais. Au Sénégal. Franchement, non, franchement, dans l'ensemble, c'était une belle expérience. Ouais. C'était une belle expérience. Non, c'est sûr. Et puis, tu sais, au Mali, on a une culture des équipes de jeunes. Donc, beaucoup de joueurs que tu as croisés dans ces sélections-là, c'est des joueurs que tu retrouveras aussi. Inch'Allah, en équipe nationale A, parce que voilà, au Mali, il y a ça, il hein, y a beaucoup de promotion des équipes de jeunes vers l'équipe nationale A, hein, pratiquement. J'ai même vu ça pour la Coupe du Monde récemment, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Bah, c'est des joueurs qui devaient même venir avec nous, mais ils étaient blessés, si je ne me trompe pas. Oui, il y a certains qui étaient blessés, ouais, mais il y a Nene. Lui, c'est un club qui a refusé. D'Angeles, voilà. Ouais, D'Angeles, voilà. Ouais, lui, c'est un club qui a refusé parce que ce n'était pas la date FIFA. Donc, ils n'ont pas accepté. Voilà. Donc, c'était, je pense que lui, ouais, lui seul, hein, avec les A aujourd'hui. Voilà, c'était ça. C'est ça. Donc, on va fermer un peu la parenthèse de cet bel épisode. Hein, de, bon, épisode humain aussi, hein, il n'y a pas que le sport. Hein. Parce que voilà, les équipes de jeunes aussi, c'est avant tout pour créer un esprit d'équipe et puis pour permettre aussi de poser les jalons pour l'avenir de notre football. Donc, on ne s'est pas qualifié, mais les jeunes ont pu se connaître. C'était une belle expérience aussi. Donc, on va venir un peu sur ton passage donc, en Belgique. Hein. Donc, tu as quitté Châteauroux pour te retrouver en Belgique. C'était aussi très, très, très jeune en fait que tu es parti. Pourquoi motiver ton départ? Parce que Châteauroux aussi, c'est un bon vivier du football français. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui passent par là-bas. Pourquoi avoir décidé de quitter aussi jeune? Oui, effectivement, franchement, c'est un bon club. C'est un bon club. Bon, après, ce qui a actionné mon départ, c'est de la manière dont ils ont fait les choses. C'est bah avant j'avais joué un match de Gambardella où tout a changé. J'avais joué un match de Gambardella contre l'Olympique Lyonnais à l'époque, avec beaucoup de joueurs de l'Olympique Lyonnais actuellement qui jouent dans des premières divisions, soit à l'AC Milan ou à Lyon, qui jouent voilà dans de très bons niveaux. J'avais fait un très bon match. Malheureusement, ce match-là, on avait perdu 1-0. Et tout d'un coup, après ce match-là, ça s'est vraiment précipité autour de moi. C'est le directeur sportif qui appelle ma famille, qui dit « Ouais, demain, tu dois venir signer ton contrat professionnel, tu dois signer et tout. » Alors que quelques mois avant ça, on ne m'a jamais donné d'importance. Donc, je me dis que c'est bizarre quand même. Si eux, ils réagissent comme ça d'un coup, c'est que… Peut-être qu'il y a d'autres clubs intéressés, quoi. C'est... Ou sinon, ils n'auront jamais eu cette réaction de vouloir me signer impérativement le lendemain. Ce n'est pas possible, ils n'auront pas eu de pression. Donc voilà, j'en parlais avec mon frère, etc. Ils m'ont dit de patienter. Donc on attend un jour, deux jours. Et puis Jérôme Leroy
qui nous rappelle et qui nous dit oui, en fait, voilà, on veut toujours vous signer, mais voilà, ça sera un contrat stagiaire professionnel. Alors que 2 jours avant, quand il m'avait appelé, ça parlait que du contrat professionnel. Donc nous, on commence à se frustrer parce que tu nous appelles, tu dis contrat professionnel, après tu changes, pourquoi? Donc ils disent oui, que je dois prouver, que je dois faire mes marques pendant la préparation avec l'équipe première et si je faisais bien, qu'ils allaient me donner mon contrat pro. Donc avec mes frères, on a attendu, quoi. On a attendu, on ne s'est pas précipité. Entre-temps, il y avait des clubs intéressés. Il y avait Rennes, il y avait Bordeaux, il y avait Hoffenheim en Allemagne à ce moment-là. Donc, on attendait. Et puis, via la connexion d'un ami qui joue actuellement en Belgique en première division dans un très bon club, il m'a proposé si j'étais intéressé par un projet belge. Donc moi, je lui ai dit, pourquoi pas, je suis pas fermé, quoi, je vais voir. Donc, on m'explique le projet, etc. Je vais visiter les installations. Puis, on m'explique bien que aussi le club allait faire la Coupe d'Europe. Ça m'a séduit. Et aussi, ça parlait de contrat professionnel. Aussi, directement là-bas, il n'y avait pas de contrat professionnel, semi-professionnel ou quoi. C'est t'arrivais en Belgique, t'avais ton contrat professionnel, un statut pro et tu t'entraînais avec les pros. Pour une personne qui, quelques mois avant, son club ne lui donnait pas d'importance et moi j'ai joué ces matchs-là parce qu'il y avait beaucoup de blessés devant moi, le choix il est vite fait. Le choix il est vite fait. Donc voilà, en fonction de ça, du projet, etc., bah. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller en Belgique, quoi. Ça s'est fait comme ça. Alors, mais Ça une rappelle fois arrivé là-bas, c'était comment? Tu as eu du temps de jeu, tu as eu ce que tu voulais avec. Non, franchement, bah non, directement, bah c'est. Je suis arrivé en préparation, on a fait des matchs, j'ai fait des bons matchs de préparation, ça se passait bien. Moi, bon, après, j'étais pas dans l'équipe titulaire. L'équipe a tourné superbement bien. Il n'y avait pas de quoi changer, vraiment. NK2 faisait son boulot avec Plastoun, Igor Plastoun. Donc, il n'y avait pas de quoi changer la hiérarchie, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. Et malheureusement, il y a eu l'épisode du Covid jusqu'en janvier, février, on avait arrêté. Donc, j'avais plus de match. Puis, la saison dernière, j'ai fait une saison blanche. Pas de match, que des matchs avec la réserve. Et même avec le championnat des réserves, il s'était arrêté. Il s'est arrêté très tôt. Donc, ouais, j'ai eu que cette année où j'ai beaucoup joué. J'ai pu beaucoup jouer avec l'équipe réserve et j'ai pu faire 2 matchs en professionnel cette saison. Voilà. Ibrahim, je vais juste rappeler que c'est un défenseur central. Voilà. Il est du haut de 1,96 m. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, mais cette année, attends, tu as marqué ou bien tu as fait des passes décisives pour ton club? Si, C'est comment? j'ai marqué cette saison. Ah, non, j'espère que le but, quand même, tu me l'as dédié. C'est le but du chat noir. C'est le Voilà, but c'est du chat ça. noir. Non, j'ai mis des bons buts, t'inquiète pas, j'ai mis des bons buts. J'ai mis des bons buts. Ibrahim, ton parcours, ça rappelle un peu celui de ton frère aussi, hein. Khalifa qui est parti de tôt aussi, qui a fait toute sa carrière à l'étranger. Hein. Lui, je pense qu'il a fait le Portugal et il a joué aussi longtemps en Angleterre. Donc voilà, vous n'avez pas peur de l'étranger, au moins dans votre famille. Non, dans la famille, on n'a pas peur. Hein. On n'a peur de rien. Nous, on se lance dans l'aventure. Hein. On n'a pas peur. On va partout, nous. Nous, on aime le foot chez nous. C'est une culture. Donc, C'est très ça n'a pas de bien. frontières, quoi. Donc, maintenant, comme je le disais au début de l'émission, il y a eu cette signature-là il y a quelques jours déjà pour Schalke 04 en Allemagne. Hein, Schalke qui était en D2 cette année, qui est remonté
mais qui est un grand club historique en Allemagne. Hein. Je pense qu'il y a un des publics les plus larges hein, en Allemagne. Oui, effectivement, avec 62 000 personnes dans le stade, C'est ça, c'est c'est un une très très grand grosse club. influence. Ouais. C'est, Mais. franchement, c'est un grand club. C'est un très grand club. Même pour l'occasion, pour le match de la montée, j'ai eu l'occasion d'aller voir le match la semaine dernière. Et tu sens, c'est une atmosphère incroyable. Tu sens, c'est là-bas, le football, c'est une culture. Ils vivent à travers ce club. C'est leur entité, quoi. Ça, c'est fou. Mais maintenant, Ibrahim, comment s'est fait en fait ton départ? Parce que comme tu l'as dit, tu as joué quelques matchs en pro cette année en Belgique et tu te retrouves, voilà, aller en Bundesliga, c'est quand même un bond en avant assez significatif, hein? Donc, comment ça s'est fait cette affaire-là de te retrouver à Schalke? Bah, comment ça s'est fait? Ça s'est fait comme j'ai pu dire d'abord. Ils étaient séduits par mon profil, ils étaient venus me scouter, etc. Puis aussi, voilà, nous on a pesé le pour et le contre, ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être pas bien. Et en pesant le pour et le contre, on a vu que voilà, c'était vraiment une opportunité incroyable pour un jeune joueur franco-malien de pouvoir aller en Allemagne. C'est un championnat qui est très bien pour les jeunes joueurs, c'est une bonne vitrine. Donc le choix, voilà, ça s'est rapidement fait. Ça s'est rapidement fait. Et puis aussi le projet qu'on a mis autour de moi, l'accompagnement pour pouvoir réussir, hein, pour réussir, parce que je vais pas faire du tourisme et dire je joue à Schalke seulement. Et C'est puis sûr. voilà, je pars vraiment pour un bon projet et pouvoir faire quelque chose de très grand avec Schalke, quoi. Mais tu as signé pour combien de temps en Allemagne, à J'ai Schalke? signé pour 4 ans en Allemagne. 4 ans, c'est Ouais, bien. un contrat de Et 4 ans. on précise, c'est avec l'équipe professionnelle que tu as signé. Donc en fait, Exactement. tu vas faire partie de l'effectif pro de Exactement. Schalke la saison prochaine. Oui, Ouais, parce que effectivement. déjà, il a 21 ans, 21 ans Oui, aujourd'hui. c'est ça. Il aura le temps de jouer avec surtout 4 ans. Voilà, il y a ses grands frères qui sont là-bas déjà. Il y a Djadji, il y a Amadou aussi de l'autre côté. Voilà, Hoffenheim et Red Bull. Mais le championnat allemand, Ibrahim, il faut noter que au Mali, c'est le championnat le plus suivi. Pourquoi je dis ça? C'est vrai, il y a les autres championnats qui sont suivis, mais il y a la retransmission des championnats allemands qui se font sur notre radio ici à Cluj-Napoca, c'est chaque samedi. Voilà, donc les Maliens auront plus encore, voilà, de ces nouvelles. Voilà, c'est un championnat qui est médiatisé, on le sait déjà. Au final, voilà, c'est un championnat où aussi il y a beaucoup de buts là-bas, si. Voilà, donc quand Énormément, je dis ouais, il y a énormément. c'est un très bon Buts, championnat. voilà, il y a énormément de buts là-bas aussi. Alors, en tant que jeune défenseur, voilà, tu arrives pour ta première saison. Alors, toi-même, en tant que joueur défenseur dans l'axe, quels sont tes quels objectifs pour ta première saison? Bah, d'abord, avoir un. Bon, je veux pas demander. Bon, après, si ça se fait demain. Je ne vais pas demander, arriver et dire être titulaire. Faut être conscient et raisonnable aussi. J'ai des objectifs. C'est voilà, avoir un bon temps de jeu, essayer de gagner ça par mes performances à l'entraînement et en match quand le coach me mettra sur le terrain. Et puis voilà, après, je me fixe pas de limite au niveau des objectifs, quoi. Tout ce que je peux aller chercher, j'irai le chercher. Et puis voilà. Pour une première saison, ça sera très bien. C'est vrai. Il peut prendre les matchs comme ils viennent. Hein. Ouais, Tu c'est arrives ça. sans pression. Et puis, je pense que l'effectif est relativement jeune aussi à Schalke. Ah, oui, il est Voilà. très très jeune, l'effectif. C'est plus le même effectif que la descente qu'il y a eu. C'est vraiment. Ils misent vraiment sur la jeunesse maintenant. Ils ont vraiment changé leur philosophie. C'est ça. Donc, tu peux. Tu sais, c'est un environnement dans lequel tu peux t'adapter. Et voilà quoi. Mais tu connais du monde en Allemagne déjà ou quand tu y allais, comment ça s'est passé?
T'es... Non, franchement, je connais pas vraiment de personne en Allemagne, à part. Je connais de la télé, hein, les joueurs qu'il y a, les Français qu'il y a, qui jouent, les Maliens aussi, qui jouent dans les clubs en Allemagne. Je connais, mais personnellement, non, je connais pas de joueurs qui jouent en Allemagne. Après, j'ai un coéquipier de la Gantoise qui est prêté du Hertha Berlin. Que cette année, qui joue à Hertha Berlin, qui joue habituellement en Bundesliga en Allemagne, mais sinon, non, personnellement, je n'en connais pas. Très bien. Donc, Ibrahim, maintenant tu vas aller vers Schalke et il y a le Mali, hein, la sélection malienne qui reste, hein. Depuis que tu as quitté les U20 et de la mésaventure que vous avez connue. Au niveau de Dakar, est-ce que tu as eu encore des contacts avec les responsables sportifs maliens? Non, pas vraiment, pas vraiment. J'ai pas vraiment eu de contact depuis. Après, je sais que récemment ils ont changé de coach chez les 23, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, Yann, c'est toi qui es en place. oui, non, j'ai pas eu de contact encore pour la nouvelle par la nouvelle direction. On m'a pas encore contacté pour quoi que ce soit avec les U23 ou quoi. Pour les qualifications de la Coupe d'Afrique. Ça veut C'est dire que vrai, tu mais es je toujours pense prêt qu'ils n'ont pour pas le encore Mali. commencé à travailler, hein, Soulé, ou bien? Non, pas encore. Normalement, avec les U23, c'est jusqu'en mois de novembre. Voilà, le coach même n'est pas encore arrivé parce qu'il est du côté de la RDC, Bon. donc, voilà, du Congo. Voilà, il est de ce côté. Donc, il doit arriver dans les prochains jours. Voilà, je pense que c'est à partir de là, voilà, qu'il va commencer à composer son équipe maintenant. Voilà, à travers ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur. Je pense que lui, de son côté déjà, il n'aura pas à se plaindre parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui étaient avec nous à Dakar aujourd'hui et qui répondent à ces critères de moins de 23 ans. Ibrahim Cissé, que ce soit Ibrahim, Kamouri, Issoufou Sissoko et autres, il y en a plein, il y en a plein. Je pense que lui pourra piocher parmi eux. Voilà, donc c'est ça. Mais je pense que Ibrahim, depuis que tu es allé aussi, tu n'es plus revenu au Mali, hein. Même pendant les vacances, tu n'es pas arrivé. Ouais, non, Mais... non, j'ai pas eu l'occasion de revenir Voilà. entre-temps au Mali. Donc, ça veut dire que déjà, tu es toujours prêt pour, quels sont pas Pour la l'équipe sélection du Mali, quoi, je pour pense la que. sélection du Mali. Oui. Tu es C'est ça. toujours prêt? Comment tu Toujours. fais? Toujours. On se tient toujours prêt. On veut toujours se Ça, tenir prêt, c'est sûr. c'est sûr. Sûrement, on se tient prêt, surtout là, on sait que c'est une échéance très importante pour le peuple malien, parce que ce qui signifie qualification et à la CAN, qui dit avoir des chances d'aller aux Jeux Olympiques à Paris, Effectivement. ça serait vraiment quelque chose de très bien pour le Ce Mali, serait quoi. très bien, ouais. Ce Ouais. serait très bien. Mais moi, je voulais savoir, parce que tu as dit que tu as été formé à Châteauroux, il y a Cyrinée Doucouré qui a été formé là-bas aussi, je pense. Du Est-ce coup, que vous ouais. connaissez? Bien sûr, on se connaît très bien. On a fait notre formation ensemble avec Siké, Il ne te parle pas du Mali ou pas encore? Sirène Tout ça, c'est Doucouré. tiré. Non, ils n'ont pas parlé Non, de non, cela d'abord, ils n'ont pas franchement, parlé. on n'a pas encore parlé de. On n'a pas eu encore. C'est pas nos sujets de discussion, quoi. C'est pas ça. Ce serait bien en Mais tout cas, oui. ouais, ça, Mais franchement, dis-moi. ça serait très bien. Ça ferait énormément de bien pour le Mali. C'est un très Il bon fait joueur une belle saison dans le aussi avec potentiel. Châteauroux, hein. Il fait une bonne Effectivement, saison, ouais. Il fait une effectivement. bonne saison, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va rester là-bas parce que avec la saison qu'il fait, je pense qu'il y a de nombreux clubs qui vont être intéressés. Ce qu'il fait, il fait très bien parce que le championnat national n'empêche, c'est un championnat dur, c'est un championnat fermé. Et marquer des buts là-bas, c'est pas rien quoi. Faut les mettre ces buts quand même. Dans le championnat national. C'est Donc, sûr. Comme non, ça, franchement, c'est une très il bien y aura nouvelle. deux géants de Châteauroux en équipe nationale, en défense et en attaque. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. Les 12 jumelles de Bamako. Ça serait Alors, pas mais mal. si c'est comment en Belgique, voilà, un peu de temps, voilà, tu as eu assez de temps avec la réserve, avec un peu de moments avec l'équipe pro. Mais en tant que défenseur central, est-ce que ton jeu, tu le vois comment? Tu peux le comparer avec quel joueur? Voilà, tu regardes, ou bien tu imites quel joueur aujourd'hui au niveau de la centrale? Au niveau de d'où?
de l'axe central quand tu Du joues? Mali? Qui t'inspire. Non, pas Non, du non, Mali, le joueur qui t'inspire, quoi, voilà. Ah, le joueur qui m'inspire. Le joueur qui m'inspire aujourd'hui, c'est un joueur comme Van Dijk. C'est un joueur dur, rapide, technique, très bon à la relance. Un défenseur moderne, quoi. Et franchement, c'est une source d'inspiration, quoi. C'est un exemple, quoi. C'est un très bon joueur que j'admire. Mais quelles sont tes qualités à toi sur le terrain? Mes qualités, moi, c'est plus basé sur la relance, le duel aérien et les duels tout court. Donc tu es un peu comme Kalilou Koulibaly, quoi. Les duels aériens, Effectivement. il n'a pas besoin de sauter, hein. Non, il n'a pas besoin de sauter, hein. Ça reste. Le Je me rappelle ballon, le Kalilou ballon, Koulibaly il est malien. directement. Voilà. Kalilou, ouais, de Naples. Je me rappelle quand je voulais l'interviewer, mais il fallait que je me tire un peu en haut, le mot dictat. J'ai dit, comment on peut être grand comme ça? Non. Mais tu as été Ah tenté par le basket avec ta taille ou jamais? oh, non, pas du tout. Le basket, ça m'a jamais attiré ce sport vraiment. Ça m'a j'ai jamais vraiment été attiré par le foot, par le basket, pardon. Mais tu suis l'équipe, que ce soit les U20, les U23, l'équipe Chan, l'équipe A, Non, les mais je U20. sais que apparemment au Mali, ils ont des très bonnes équipes au niveau du basket masculin et féminin, apparemment. Je sais qu'ils avaient déjà gagné. Ils avaient gagné une CAN de basket. Je ne sais pas si c'est les filles ou les Et les garçons femmes, on est récemment. recordman africain, je pense. On en a gagné plusieurs. Hein. Sept fois, Voilà, sept c'est fois, ça. Mais c'est récemment, c'était un les tournoi. Je ne cadettes. sais plus si. Je pense que c'était les U17 de Sept. basket du Mali. Ouais, les filles, et elles ont Oui, c'est remporté ça. sept fois consécutives la Coupe d'Afrique. Voilà. Et les hommes aussi, ils sont allés très loin aussi, je pense, avec les moins de 20 ans. Voilà. Même la Coupe du Monde, le Mali a joué pour la première fois au monde. La finale de la Coupe du Monde qu'on a perdue face aux Ibrahim, les Américains, là, voilà. Ils les ont battus, voilà. C'est leur sport, ça. Tu Non, peux pas les battre dans leur sport, on ne peut pas les battre dans c'est le trop, sport. ça. C'est trop. Au Donc, foot, voilà. c'est possible, hein. Tout le monde peut battre tout le monde, mais ça, Au les basket, battre non, les c'est impossible. USA au basket, franchement, c'est quasiment mission impossible. Hein. Mais Ibrahim, comme on le disait au départ, tu as choisi très tôt de représenter le Mali dès les U20. Tu nous as expliqué que c'est par rapport à ta famille. Mais quelque part, au-delà de ta famille, tes clubs, les éducateurs qui t'ont connu, ils n'ont pas été surpris par ton choix, ou tes agents ne t'ont pas dit de rester jouer et attendre ta chance avec l'équipe de France, comme beaucoup le disent, hein. Oui, non, franchement, non. Moi, c'est un choix qui s'est fait rapidement et que je ne regrette pas. Et je suis très content d'avoir fait ce choix. Non, franchement, c'était une opportunité déjà de représenter une sélection. C'est pas donné à tout le monde. Puis, non, voilà, c'est franchement, non, c'est. Est-ce que Ça mais s'est fait déjà comme tu ça, quoi. suis déjà l'équipe A aujourd'hui? Est-ce que tu as des nouvelles de l'équipe A aujourd'hui parce que tu es plus proche d'eux maintenant? Des nouvelles, non. Après, je sais qu'au Mali, au niveau de la défense, il y a des problèmes. Ça fait quelques années qu'ils cherchent un défenseur central parce que même je crois qu'ils utilisaient Falaye Sakho en défense centrale. Oui, Par défense. manque de défenseur, parce que c'est pas son poste de prédilection de base. Je sais qu'il cherche. Bon, après, voilà, je me mets rien dans la tête et moi, ce qui va venir à moi, je prends, quoi. Et je me dis pas que là, je dois aller là-bas. Et quand le pays m'appelle, bah, je dois répondre à la mission et puis c'est tout. C'est vrai. Et puis les choses vont vite dans le football aussi, hein, C'est comme ça, on le dit. effectivement. Si tu vas à Schalke, que tu t'imposes là-bas, ben tu n'iras plus en U23, hein, tu iras en équipe nationale. C'est Là, hein. Comme ça. ce que Non, j'imagine bien ça, j'imagine bien, Ibrahim, c'est bon, sûr. il va s'imposer parce que moi, le temps qu'on a eu à passer ensemble, je sais de quoi il est capable sur le terrain. Voilà sa communication, sa détermination et son envie d'aller plus loin.
parce que voilà, après les éliminations, voilà, j'ai lu, voilà, c'est vrai, tout le monde était frustré, énervé, voilà, du parcours de ce qui est arrivé, mais par contre, lui, voilà, il venait d'un autre monde pour rejoindre le Mali ici, voilà, on sentait vraiment, voilà, cette frustration au niveau de son visage, mais voilà, ça va arriver, c'est les expériences aussi, voilà. Tout le monde passe par là. Là, au moment, c'est dur. Voilà, devant, ça va passer. Mais je pense que s'il se donne à fond aussi, voilà, comme Ibrahim l'a dit, peut-être déjà après les 2, 3 mois déjà, avec Charles de Lucas, voilà, il aura sa chance avec l'équipe A, parce que vu sa taille, et ce qu'il fait aussi, ce qu'il se donne aussi, je pense que, voilà, il aura sa chance aussi de goûter. Voilà. Non, c'est certain. Et puis, moi, je pense que le choix de l'Allemagne aussi, c'était judicieux parce que on le voit, c'est un championnat où les jeunes jouent. On le voit avec beaucoup de ces joueurs qui ont décidé de quitter le championnat français hein, pour aller en Allemagne et qui jouent hein, directement en équipe première. Et voilà quoi. Donc, c'est pas surprenant de voir des jeunes de 21 ans être lancés dans le grand bain en championnat d'Allemagne. Donc, c'est possible. De toute façon, ils t'ont pris en équipe première, donc tu auras ta chance à la préparation avec tout le monde. Hein. C'est le terrain Effectivement, c'est sûr. qui parle. Hein. C'est Et c'est sûr, c'est ça. d'avoir confiance. Et voilà. Mais maintenant, dans ton parcours professionnel, comment est-ce que tu vois les choses évoluer pour toi? Tu aimerais jouer longtemps en Allemagne ou tu rêves d'aller jouer au Barça ou je ne sais pas, hein, parce que c'est le meilleur club. Non, pour être honnête avec vous, moi, mon rêve, c'était d'un jour jouer dans le championnat allemand. C'est le championnat que j'aime depuis tout petit. Et franchement, si je peux, après, je sais pas le foot est fait de quoi, mais je me plaindrais pas si je serais mené à faire une carrière entière en Allemagne, quoi. Ça me dérangerait pas parce que c'est vraiment un pays dont j'ai toujours voulu aller jouer, quoi. Comme certains, la première ligue, moi, c'est l'Allemagne, quoi. Donc quoi, le Bayern Munich? Ou quel club? Le Ouais, Bayern, ouais, c'est ça. finir sa carrière à Schalke. Ah, ça, il a tiré dans le en plein milieu comme ça. Non, mais c'est un championnat qui est intéressant aussi. Moi, perso, je ne suivais pas trop le championnat d'Allemagne avant le Covid, hein, parce que bien sûr, c'est un peu moins médiatisé que l'Angleterre ou l'Espagne. Mais au moment où ils ont été les seuls qui ont repris, j'ai suivi beaucoup de matchs du championnat d'Allemagne en ce moment-là, puisque c'était le seul foot qui avait repris. Et il y a de belles équipes, quoi. C'est un football qui est intéressant, de jeunes et Ouais, des franchement, équipes qui c'est un sont très très bon vives. championnat. Très bon championnat. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tous les matchs sont relevés. C'est même si t'es le Bayern, demain tu joues contre le dernier, tu dis pas ah ben on va chez le dernier et puis voilà, ça va être une partie de plaisir. Tandis que dans les championnats comme en France ou comme en Espagne, Ouais. demain si Madrid va aller jouer contre Las Palmas, voilà, ça va être une Ils partie vont en passer détente. 6, quoi, c'est Mais vrai. demain, Bayern, ils vont aller jouer contre une équipe comme quoi, Bochum ou l'Arminia Bielefeld ou Leverkusen ou Mönchengladbach. Ça va pas être des parties de plaisir, quoi. Et les équipes, elles ont beau être dernières, ça va être un gros match, quoi. Et c'est ça qui est bien dans les championnats anglais et allemands, c'est que même demain, Manchester, ils vont aller jouer à Burnley ou à Norwich, ça ne va pas être des parties de plaisir, quoi. Tous les matchs, il faut être à 100% dans ces championnats-là, quoi. Et C'est pour le ça que c'est les public. ch meilleurs championnats du monde, d'ailleurs. Et le public aussi, les stades allemands sont toujours pleins. Hein, Bah, et ils sont de grands stades aussi. Les effectivement, clubs c'est sont de comme grands stades, celui-là de voilà. Schalke, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est. On sent que c'est. N'ayons pas peur de le dire, pour eux, c'est une religion. Hein. Le football, c'est le football, quoi. Faut respecter ça. Et quand tu portes le maillot d'un club, tu dois tout donner pour ce club, quoi. Voilà. C'est vraiment important et il y a vraiment de la ferveur. C'est beau à voir. Franchement, c'est beau à voir. Non, Bon. c'était. Ouais. Ouais, je voulais entendre. Je viendrai voir
ton premier match contre le Bayern. Inch'Allah. Il n'y a pas de Je vais souci. préparer, voilà. Je t'attendrai. Voilà, je vais me Mais il préparer. ne faut pas me faire tes interviews compliquées, hein. Non, ça sera juste deux mots en bambara sur le mec. Tu es Il venu sur le plateau, mais il faut que n'y a tu dises pas de deux mots. souci, il n'y a pas de souci. Non, tu On n'as va rien dit d'abord. Tu dis, Anshu, bien, c'est comment avez-vous dit? Il m'a comment là, Ibrahim. parler. Ah, tu as vite oublié là, non, ça non, tu as vite Ah oublié. non, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. J'ai retenu avec toi, j'ai retenu. Mais Mais quand bref, on il dit y a... bonsoir. Ansu. Ah non, là, Oui, là bien sûr. c'est 10 sur 10, là c'est 10 sur 10, Mais ouais, c'est bien ça. sûr. Ouais. Non, ça c'est très bien, mais de ta génération U20 avec laquelle tu as évolué au Mali, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont en Europe. Hein. Sous les, c'est, tu as les noms parce que je sais que sous les, tu as été avec eux, donc tu connais un peu tout le monde de cette génération. Au niveau de la défense, déjà, il y a à trois. Ils ont fait signer l'autre, son partenaire, Ah Yassine oui, les deux Soumaoro. là. Soumaoro. Yassine Soumaoro. Yampo, Yampo. Yampo. Voilà, Ibrahim, je vais te raconter une anecdote. Le Smauro. troisième match contre la Mauritanie. On avait un problème au niveau de l'attaque. L'attaquant qui il a été blessé, Nama Keita. Voilà, on n'a pas de changement. Je pense que ce jour-là, Ibrahim était sur le banc. Hein. Voilà, donc on a fait rentrer Ibrahim dans l'axe maintenant. Et Yampo qui jouait dans l'axe, lui, on l'a décalé vers le couloir. Donc, c'est-à-dire, à 10 minutes de jeu, après, il a eu soif, il est venu au bord du terrain. Moi, je l'ai approché pour lui donner de l'eau, quoi. Voilà. J'ai dit, mais Yampo, il dit, c'est comment? Il dit, mais écoute, vraiment, je comprends rien. Il y a des gens qui jouent latéral là. Ils ont beaucoup à faire. Hein. J'ai dit, bah, attends, je vais demander à Cissé. Je vais demander à Cissé s'il peut glisser un peu sur le côté pour que tu puisses rentrer dans l'axe. J'ai approché Cissé. J'ai dit, bah, Cissé, bon, tu vas jouer un peu. Tu vas changer de côté avec Yampo. Yampo va rentrer dans l'axe. Il m'a dit, mais sous le nom, mais je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer ce soir. Il fait très chaud. Dit, Soulet, c'était le coach. C'est Soulet qui prenait les décisions. C'est Soulet. C'est Mais Soulet qui Soulé, prenait toi, toutes quelle les expérience décisions. tu as eu un peu? Parce que je sens que, bon, Soulé, moi, on interviewe tellement de gens, mais je sens qu'il y a eu vraiment un lien affectif fort entre lui et votre génération, hein. Tous les Ouais, jeunes franchement, qui sont passés c'était. en U20, hein. Bah, surtout avec les péripéties qui s'étaient passées, ça nous a vraiment soudés, quoi, parce qu'on était seuls contre tout le monde, et puis ça nous a vraiment soudés. Les liens se sont vraiment créés naturellement, comme j'ai dit, et puis voilà, Ouais, c'était c'était cool, quoi. ça. Ouais, C'était cool l'équipe malgré tout. avait besoin de ça parce qu'à un moment, c'était le stress. Mais cette équipe, je remercie le bon Dieu et le coach aussi que je remercie, c'est Mamadou Kanemourlé pour sa confiance qu'il a placée en moi. J'ai suivi cette équipe depuis le premier jour de sélection. Pratiquement, on a fait une année ensemble ici à Bamako. Donc, on se connaissait tous. Voilà, on est tous jeunes. Voilà, on se taquinait, on se donnait des conseils. Voilà, l'objectif, c'était aller au Sénégal. On savait que le Mali au Sénégal en matière de football, c'était très compliqué. Voilà, donc il fallait qu'on se prépare à ça. J'ai cherché des informations pour eux. Voilà comment on doit se comporter, tout un chacun. Voilà, on a échangé, on a échangé, on a échangé ensemble. Voilà, mais je suis parti depuis le début de mon voyage, même, c'était difficile. Parce qu'en allant au Sénégal, voilà, les frontières étaient fermées. On a eu pas mal de pannes. On est resté en brousse pendant à peu près 6 heures ou 7 heures avec ma consoeur Kadiatou Bakayoko. Voilà. Après, on est rentré au Sénégal. Sénégal, voilà, le parcours était déjà calé, mais j'imaginais jamais partir au Sénégal. Voilà, je partais en tant que journaliste, mais terminer la compétition sur les bancs de l'équipe nationale. Mais je te dis, Ibrahim, le jour où j'ai su que c'était du sérieux, on a fait les préparations tout autour à l'Institut Diamant. On est venu dans les vestiaires, on s'est salué, on a chamaillé. Mais quand on est sorti pour l'hymne national du Mali, ah, c'est là que, voilà, je vais raconter pour la première fois que j'ai coulé des larmes. Non, quand j'ai entendu l'hymne du Mali aujourd'hui, mais j'ai dit, attends, il y a 20 millions de personnes aujourd'hui qui nous suivent. Donc, il faut que nous, on gagne ce match-là pour l'honneur du Mali. C'est très, très difficile, il faut le reconnaître. Le moral était
très bas, c'était très bas, c'était très bas. C'était Parce dur. que Franchement, meilleur c'était joueur, dur. voilà, c'est pas pour dire que ceux qui étaient restés n'étaient pas bons, mais c'était pratiquement sur des joueurs qu'on comptait beaucoup, voilà, qui ont eu le Covid, voilà, on parlait d'un certain Camori, des Bamba et autres. Voilà, c'était des joueurs ciblés, voilà, parce que c'était des joueurs qui étaient déjà passés auparavant au Sénégal. Voilà, moi, sincèrement, c'est l'année que je vais jamais oublier dans ma carrière de journaliste. Voilà, ça quand même, voilà, c'est En tant que resté. joueur, moi aussi, je ne peux pas oublier ça. Pour une première sélection, tu ne peux pas oublier ça. C'est pas possible. Non, mais Pas c'est. possible. Moi, c'était ma première fois de suivre une équipe, hein, voilà. Même, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles quand ils ne voulaient pas nous servir à manger avant le match Je me contre rappelle bien. la Guinée, je crois. Ils ne voulaient pas nous donner à manger. Ah, Ils ne c'était voulaient ça. pas. Ils ne C'était voulaient moi. pas nous servir à manger. Le repas, c'était à 13h15, je me rappelle. Mais l'équipe du Mali est arrivée à 45-50. Voilà. La serveuse est là avec quelqu'un qui était à côté. Voilà, les joueurs sont assis. Quand moi je suis venu, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais le gars dit que tant qu'il n'est pas 13h15, il ne va pas servir. Quand moi j'ai demandé au coach, j'ai dit, mais coach, est-ce qu'on peut manger à 12h45? Et quoi, il dit, si les joueurs en avion, on veut les manger. Moi je suis sorti, je leur ai dit, hey, les gars, prenez les assiettes, allez-y manger, c'est pour vous. C'est pas pour eux. La nourriture était pour nous. Voilà. Donc il fallait qu'on se chamaille pour tout ça. Tout ça, c'était préparé, quoi. Au fait, pour briser un peu le moral des joueurs, mais. On a su motiver, remotiver tout ça, voilà. Mais au finish, voilà, on savait que dès le premier match, c'était difficile. Voilà, on est revenu réduit contre la Guinée qui avait une très bonne équipe aussi. Voilà, une équipe complète qui était là sans Covid. Voilà, elle nous a battu 3 buts à 1. Voilà, le dernier match, c'était contre la Mauritanie. Voilà, il fallait sauver l'honneur là-bas. Et ce match-là aussi, on a gagné un but à 0. Voilà, la compétition s'est terminée sur ça, mais vraiment c'était bien dans l'ensemble du groupe. Moi, je pense que ce groupe-là, c'était le meilleur groupe. Voilà, le meilleur groupe, voilà, la meilleure sélection des U20. Voilà, je ne dis pas pour rien parce que pratiquement 80% de ces jeunes-là aussi aujourd'hui évoluent aujourd'hui en Europe. Ils ont tous eu des contrats. Donc, on avait des C'est meilleurs ça. groupes, mais la chance ne nous est pas sourie. Hein. Et c'est surprenant parce qu'en général, les gens sortent beaucoup les années où on fait un bon parcours en CAN et autres. Or que là, voilà, on n'a pas été particulièrement brillant, mais malgré tout, beaucoup de ces jeunes sont sortis. Mais maintenant, moi, je me dis, cette expérience qu'on a vécue au Sénégal, je trouve que c'est quand même pas très sportif, quoi. Je pense que au niveau de la CAF, ils devraient revoir certaines choses, quoi, parce que quand les compétitions, surtout de jeunes, se passent comme ça décourage les joueurs. Parce qu'au-delà C'est ça en de. fait, parce que Ça, c'est c'est ça le bon. problème, c'est de faire ça à des jeunes. Parce que, encore moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'était, je suis venu 10 jours avant, je me suis mis 10 jours avant dans l'atmosphère. Mais pour les gars qui préparent ça depuis un an, comme C'est vrai. Souley a dit, qui était avec eux depuis les 1 an, parce que moi, je suis arrivé, n'empêche qu'à la fin, au vrai début de la. Des qualifications, mais ceux qui ont fait tous les stages, etc., pendant un an, qui se sont préparés matin, midi, qui dormaient à Kabbalah au centre, et que tu ne joues pas pour des faux tests Covid, quand même, ça fait mal au moral. Ça fait Très mal. mal. Je pense Ça fait mal. que la CAF même doit revoir ses copies, et que ce soit la CAF ou l'UEFA. Voilà. Ce tournoi, je pense que ça continue jusqu'à présent. Pourquoi aller chercher la qualif, voilà, dans un seul pays, ramener neuf pays aujourd'hui en Mauritanie. Vous aurez la Guinée qui peut remporter cette Coupe d'Afrique aujourd'hui, qui est potentielle. Il y a le Mali qui est là aussi. Il y a le Sénégal. Voilà, tous ces trois pays peuvent remporter la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. Pourquoi les rassembler tous ensemble et donner deux pays seulement pour la qualif? Je pense que déjà, c'est un peu tuer un peu le football africain aujourd'hui. La C'est dernière ça, formule, ouais. c'était en aller et retour. Voilà, moi, je suis le Mali, je vais jouer au Burkina Faso contre le Burkina. Le Burkina va venir jouer contre moi chez moi. Voilà, les éliminatoires comme ça. Je pense que là, c'est déjà bon. Mais rassembler tous ces pays-là, neuf pays, voilà, dans un pays, voilà, qui sera le pays organisateur et seulement les deux finalistes qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est la CAF doit revoir cela. Moi, je pense en fait ce qui s'est passé, c'est que au moment où il y a eu le Malgache là qui a été à la tête Adamad. qui a été à la tête de la CAF,
Il y avait comme projet de donner aussi l'opportunité aux nations les moins huppées du continent de participer aux événements. C'est là qu'on est passé à une CAN à 24 équipes et qu'on est passé un peu avec ces zones de qualification dans les tournois de jeunes pour permettre à ces nations moins huppées de aussi participer aux compétitions internationales. C'est comme ça qu'on voit des équipes comme les Comores participer à la Coupe d'Afrique des Nations et même Madagascar, pardon, c'est Madagascar qui a participé, les Comores cette année, Madagascar aussi avait fait un beau parcours, alors que ces équipes-là, en temps normal, ne participent pas à la CAN. Donc, quelque part, il y a eu cette volonté-là, mais ça emmène un nivellement vers le bas, hein, parce que comme Soulé l'a expliqué, ben, dans la zone une fois du Mali, ben, il y a trois nations qui, en général, sont très souvent dans le dernier carré Bien des Coupes sûr, d'Afrique des Jeunes, hein. bien Mali, sûr. Sénégal, Guinée, ils sont souvent en demi-finale, c'est des nations qui Il y arrivent a dans la le Gambie dernier. aussi qui arrive, hein. La Gambie aussi qui arrive derrière, Voilà, il y a donc. la Gambie aussi, donc en fait, c'est une zone qui est particulièrement compétitive sur le plan africain, donc c'est un choix qui est surprenant, mais moi je pense que quelque part, les responsables aussi de nos instances sportives ont été un peu passifs dans ces décisions-là Ah sur oui, ah la oui, CAF. ah oui, Parce ah oui. que voilà, même Et l'organisation du tournoi, moi je trouve que c'est pas normal. Le tournoi, il est organisé une fois sur deux au Sénégal, alors qu'il y a 9 nations qui participent. Donc, quelque part, ça avantage le Sénégal, surtout au niveau des compétitions de jeunes. Les joueurs ont moins l'expérience de jouer dans des terrains hostiles. Donc, avoir des tournois comme ça qui sont organisés à l'extérieur, c'est difficile pour des jeunes joueurs à gérer ça. Et même pour la logistique, même, hein, on l'a vu avec. effectivement. C'était compliqué. Donc, moi, je pense que quelque part, nos autorités sportives aussi doivent essayer de prendre un peu plus d'initiative à ce niveau-là pour protéger notre football et permettre à nos sélections de jeunes d'avoir, parce que c'est une vitrine pour notre football, donc c'est important pour nos sélections de jeunes de participer à la CAN et à la Coupe du Monde des catégories, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, exactement. J'espère que tu as tout résumé, Ibrahim. Donc, on ne peut plus rien ajouter. Ouais, c'est ça. Donc, là, pendant que maintenant, voilà, que nos autorités aussi, voilà, nos dirigeants sportifs, surtout le président de la Fédération malienne de football qui est vice-président de l'UFOA aujourd'hui, le président, c'est le président sénégalais Senghor. Voilà, lui, il est le président aujourd'hui. Voilà, je pense que lui aussi, il a son mot à dire parce que déjà, quand. On avait beaucoup de cas de COVID. Lui-même, il a fait le déplacement. Donc, il était au Sénégal avec nous. Il est venu soutenir les jeunes là aussi. Je pense qu'il doit voilà, proposer maintenant voilà, qu'on fasse des matchs aller-retour pour qu'on puisse vraiment avoir ce qu'on veut de ce football-là. C'est certain. Ibrahim Cissé, on se dirige vers la fin de l'émission. Hein. Il est tard pour toi aussi. Et on te remercie une nouvelle fois hein, vraiment pour ta disponibilité. Hein. On Il n'y est a pas de content aussi que souci. tu aies arrêté de rêver de chat noir depuis que tu as quitté Non, Dakar. T'as ça arrêté. va. Là, je parlais avec Soulé aujourd'hui, c'est bon, je veux bien dormir. Je veux bien dormir, c'est bon. Il n'y a Quel pas de message souci. tu as en fait pour le public sportif malien, Ibrahim? Comment? J'ai pas Quel entendu. message tu as en fait pour le public sportif malien? Bah que voilà, c'est un peuple un but une fois, hein, on est tous ensemble. Voilà, on essaie de faire de grandes choses pour le pays, rendre fier le peuple, et puis on essaiera de tirer au maximum, le plus haut, l'équipe nationale, que ce soit des U23 ou pour les A pour le futur, quoi. On l'espère aussi, hein, Ibrahim, Soulé, ton mot pour un de tes protégés. Merci, merci, merci à lui. Voilà, c'était pas facile de l'avoir aujourd'hui. Voilà, on a fait des transactions, voilà, pour qu'il puisse être sur le plateau. Voilà, il a accepté de nous consacrer 2 heures de son temps. Voilà, merci beaucoup. Ça n'a pas été une surprise pour moi de le voir sur ce plateau tout souriant. Voilà, il est comme ça. Mais j'espère que sur le terrain, il sera plus, voilà, comme un Sergio Ramos. Voilà. Il a donné plus comme Sergio Ramos, voilà, parce que c'est un guerrier, voilà, il nous a montré cela quand il est arrivé ici en sélection, vraiment. Merci Cissé et bon courage à toi, voilà, j'espère qu'on va se retrouver d'ici
la mi-saison, voilà, pour t'évaluer encore, voilà, pas pour t'évaluer, mais donner des informations de toi Voilà. au public sportif malien, voilà, de ton parcours aussi à Charles 04 que tu vas rencontrer aujourd'hui à Mamie Touré, à l'Intra Francfort, voilà, ce sont les grands frères, il faut les courtoyer là-bas. Il y aura Amadou Aïdara Doudou, il y a Djadji Samaseko aussi qui est là-bas. Voilà, donc tu ne seras pas seul. Voilà, vous serez au nom de quatre à représenter aujourd'hui le Mali. Donc C'est voilà. plus, Le Mali. attention, il y a les transferts là, il y a une période de Voilà, transfert. bon, s'il y a les transferts, voilà, les Il y a transferts plus aussi. Voilà, il y a de d'autres qui vont aller là-bas. Voilà, donc on vous suit. Voilà, le plateau vous appartient. Et je suis très content d'avoir partagé ces expériences aussi avec toi. Et très fier de toi. Je retiens de belles choses, de belles souvenirs de toi aussi. Merci. Merci à toi aussi, ça fait plaisir. Hein. Puis il n'y a pas de souci, moi, vous m'appelez, si vous me dites je suis bienvenu, bah, on est là, on discute, il hein, y a pas de La problème, ça fait franchement, ça fait prochaine plaisir. émission, soit on va le faire ça en Allemagne, soit au Sénégal. Tu veux pas lâcher ton Sénégal, toi? En vrai, lui, il a bien aimé le Sénégal, il fait Non, semblant. il a une fiancée là-bas, c'est pour ça qu'il C'est cherche un ça, moyen c'est de sûr. rentrer à Dakar, là. C'est vrai, attention, il y a ma femme qui suit l'émission, hein. Non, elle est prévenue. Il ne faut pas laisser Soulé aller à Dakar. Hein. Il est attaché au Sénégal maintenant, là. C'est mystérieux. Non, donc, non, Ibrahim, moi, je te remercie encore hein, d'être venu sur notre plateau. Hein. Je veux dire, comme Merci, c'est il n'y a pas de du problème. Africa Sport 24, vraiment, on a fait la première interview avec toi quand tu as décidé de porter le maillot du Mali. Aujourd'hui encore, tu es venu chez nous pour parler un peu avec aussi les médias maliens, le public sportif malien avec ton transfert à Schalke. Comme Soulé l'a dit, ben, on va continuer. Hein. Tous les Maliens suivent ta progression. On ne le croit, crois-le, hein, les Maliens suivent tous leurs joueurs de très très près. Hein. Tous les Maliens sont au courant que tu as signé à Schalke et vont continuer à suivre ta carrière de près là-bas. On attend de voir tes matchs en Allemagne. On souhaite que tu vas faire de belles prestations et que tu viendras aussi sur notre plateau hein, pour ta sélection en équipe nationale à On Inch'Allah, espère hein, très bien, bientôt. Hein. Moi, Inch'Allah. je le sens venir très bientôt. Donc Inch'Allah. voilà, je remercie donc aussi nos spectateurs. Hein. C'est un nouveau plateau qu'on a mis en place et voilà, on essaie de nous aussi de faire grandir un peu Africa Sport 24. Donc voilà, merci de soutenir notre média. Merci, merci à vous aussi, merci à vous aussi. Oh, merci Merci. et bonne soirée. C'est ça. Donc Merci. voilà, bonne soirée à tous. Et on attend, on aura probablement des nouvelles hein, avec la nomination d'Éric Sékouchène. Donc, on sera présent Normalement, il devrait arriver aujourd'hui. Voilà, mais selon mes informations proches de la Fémafoot, voilà, il y a des petits soucis de l'administration, au niveau de l'administration. Donc, il va régler cela. Et j'espère qu'il sera là d'ici la fin de la semaine. On l'espère, en tout cas, on vous informera et probablement on sera présent pour sa conférence de presse. Donc, sur ce, Ciao. bonne soirée à tous et très bon week-end. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Soulé Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.